Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission en direct qui permet avec des confrères de la presse nationale de décrypter, d'analyser et de commenter l'actualité de la semaine au plan national et international. Au menu ce dimanche, la nomination de Paul Kaba Thiéba au poste de Premier ministre, une nomination faite le 6 janvier. Quelles sont les chances de réussite du nouveau Premier ministre? Quels sont les chantiers prioritaires et d'où sont venus les rumeurs de nomination de Rosine Sori Koulibaly à ce même poste? Nous lancerons le débat. Nous allons également parler de l'élection de Salifou Diallo comme président de l'Assemblée nationale. Il a été élu par 78 voix contre 43 pour son challenger de l'UPC. Faut-il auditer la gestion du gouvernement de la transition et surtout du Conseil national de la transition? Le personnel administratif du CNT a demandé publiquement un audit de la gestion du Parlement pendant la période de la transition. Enfin, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet inhabituel. Il s'agit donc de la nomination de Paolo Duarte comme entraîneur des étalons, un sujet sportif donc qui s'invite à débat de presse. Cela n'est pas de coutume, une nomination en tout cas qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le choix du sélectionneur portugais est-il justifié? Chacun donnera son point de vue. Autour de la table, justement, quatre confrères de la presse nationale. Il s'agit de Soumeila Rabot de la radio Savane FM. Bonjour Rabot. Bonjour Sani. Nous avons également avec nous Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Sur ce même plateau, d'acier de Bendouté de Radio Jeunesse. Bonjour, Oda. Et enfin, Ismaël Ouedraogo de la radio Ouaga FM. Bonjour. Bonjour. Merci à tous, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons commencer avec le premier sujet. La nouvelle est tombée le 6 janvier dernier, très tôt dans la matinée. Le président du Faso Rockmart, Christian Kabore, a nommé Paul Kaba Thiéba au poste de Premier ministre. C'est une nomination, chers confrères, qui a pris à contre-pied tous les pronostics. Arabo. Oui, pris à contre-pied les pronostics. Oui, en tout cas les pronostics de la presse. Mais j'ai entendu après des hommes politiques dire que les pronostics de la presse n'étaient pas eux leurs pronostics. Donc il y a des gens, je crois, qui n'ont pas été surpris parce qu'ils étaient presque convaincus que le MPP, pour rester dans l'ère du changement, allait trouver quelqu'un qui ne soit pas dans le marigot politique actuel pour justement ramener la confiance et apaiser éventuellement les doutes qui pourraient subsister sur la volonté de changement du MPP. C'est bien que ce soit quelqu'un d'étranger à la scène politique. Je crois que ça va donner une autre couleur à l'actualité politique, au débat politique et au débat sur le développement, c'est tant mieux. Mais dans tous les cas, il fallait bien entendu que le MPP trouve quelqu'un qui a le profil de l'emploi. Et apparemment, Paul Kaba Thiéba est là. D'accord. Alors, Rabo. Et j'ai dit Rabo Bama plutôt. Oui, je pense que c'est un peu ça. Hein. Et c'est vrai que beaucoup ont été un peu pris à contre-pied, comme vous le dites. Mais je pense que c'est vraiment comme Rabo l'a dit, c'est un peu comme dans l'air du temps. Et l'homme, il est venu un peu au moment où personne ne l'attendait, parce que, en tout cas au niveau de la presse, en tout cas, les gens avaient déjà leurs hommes qui étaient déjà... Oui, beaucoup de voilà, déjà. Et donc lui, il vient comme ça, à la grande surprise de tout le monde. Mais comme Rabo l'a dit, hein, il fallait quand même quelqu'un qui allait être
dans l'ère de la rupture, comme on a toujours prévu avec le changement et tout ça. Et l'avantage que je vois avec ce monsieur, c'est que voilà quelqu'un au moins qui va quand même refléter cette rupture-là, parce qu'il n'est pas, comme on l'a dit, hein, il est un peu étranger à la limite au Burkina. On ne le connaît pas trop, il n'a pas trop de connexion avec les milieux des affaires et tout ça. Du coup, je pense que ça peut être un avantage pour lui. D'aucuns diront que c'est un désavantage, mais moi, je pense que ça peut être un avantage. Le fait de ne pas avoir de connexion déjà avec... c'est vrai qu'il peut être neutre à 100%, hein, mais le fait qu'il n'a pas de connexion avec les milieux des affaires, les hommes des affaires et tout ça, ça peut lui permettre de se mettre au-dessus de la mêlée, pouvoir gérer la chose de façon vraiment assez posée, assez et tempérée. Parce que ce qu'on a pu faire comme reproche au président premier ministre déjà, c'était un peu ça. Quand je prends le tout dernier, Zida, on lui a beaucoup reproché ses connexions avec les hommes d'affaires et tout ça. Il y a eu cette affaire de Canis avec les importations de camions dans des conditions pas tout à fait bien catholiques et tout ça. Donc, vraiment, voilà quelqu'un qui va venir quand même pour faire la différence de niveau. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu quand même d'être optimiste avec lui. Alors, il est économiste de formation, cadre à la BCAO depuis 1993. Oui, Ismaël. Bon, disons que c'est vrai que beaucoup de gens avancent le fait qu'ils n'appartiennent pas aujourd'hui à ce marigot politique, donc cela pourrait constituer un avantage. Mais pour moi, l'élément le plus déterminant aujourd'hui dans la nomination d'un Premier ministre, dans le contexte actuel du Burkina Faso, c'est de lui donner le temps de pouvoir bien travailler, de le déconnecter de la classe politique. C'est vrai qu'il y a eu des alliances qui ont été constituées pour permettre notamment l'élection de Salifou Diallo à l'Assemblée nationale. Ces partis, on va tenir compte également de ces partis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le président Rochma Christian Kabore est prêt à lui donner toute la marge de manœuvre possible afin qu'il puisse agir? Est-ce qu'on aura un Premier ministre fort, un Premier ministre de caractère? Parce que c'est l'élément le plus important. Aujourd'hui, on pourrait dire tout ce qu'on veut. On parle aujourd'hui d'un économiste monétariste et ainsi de tout ce qu'on veut. Mais l'élément le plus important, moi, je ne parlerai même pas du fait qu'il vienne de la BCAO et tout. Si vous avez un Premier ministre qui ne répond pas que du chef de l'État, mais qui répond de plusieurs autres personnes, ça va nettement poser problème. Parce qu'aujourd'hui, il est arrivé, peut-être qu'il a la chance d'être un peu plus neutre, mais si à un moment donné, le Premier ministre veut taper du poing sur la table et qu'il commence à donner de la voix, et qu'au niveau, par exemple, du parti au pouvoir, notamment le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP, commence à lui faire savoir qu'il y a tel ou tel opérateur économique qui a financé la campagne de Rochma Christian Kabore, donc il faut faire attention, il faut manager telle ou telle personne, à la limite, au début, il va avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais au finish, il ne va pas s'en sortir. On a vu des premiers ministres qui ont eu toutes les bonnes intentions du monde, qui ont voulu faire des choses merveilleuses. Mais s'il n'est pas libre de travailler comme il veut, il ne s'en sortira pas. Donc, Kaba peut-être a la chance, le premier ministre Kaba a la chance donc aujourd'hui donc, d'être quelqu'un pour le moment qui est neutre. Mais il y a des connexions politiques qui ont permis l'élection de Rochma Christian Kabore. Si on lui demande de tenir compte, évidemment, de ses connexions politiques, ça va limiter sans doute sa marge de manœuvre. Et moi, j'aimerais bien savoir qui sera aujourd'hui celui-là qui va beaucoup plus s'adresser au Premier ministre. Parce que si vous prenez le MPP, vous avez Rochma Christian Kabore qui est le président du FASO, mais Salif Diallo, qui est un homme fort du MPP, qui est président de l'Assemblée nationale, Simon Compaoré, qui est la troisième tête du MPP, il y a également le Larlé Nabas, ça fait quatre personnes. Est-ce que toutes ces personnes-là peuvent appeler le Premier ministre à un moment donné pour lui dire sur ce dossier-là, si ça devient ainsi, vous allez voir qu'à la longue, le Premier ministre de devenir une personne qui ne pourra pas avoir cette possibilité de bien gérer comme il l'entend. Il faut qu'il ait cette possibilité dès à présent, après la formation du gouvernement, quand il y aura des dysfonctionnements dans les ministères, dans les départements ministériels, qu'en tant que Premier ministre, il puisse avoir la possibilité de démettre un ministre et mettre une autre personne en qui il a confiance. Là, il sera un Premier ministre fort et de caractère. Ok, là, il doit avoir les coups de franche, comme Ismaël vient de le dire. Oui, merci. Je pense que à ce niveau, et c'est vrai que nous faisons partie de ceux-là qui voulaient vraiment un technocrate, des gens vraiment qu'il faut à la place qu'il faut. Et on l'a eu. Je pense que techniquement, on n'a rien à le reprocher. Et aussi, quand on regarde son parcours, c'est quelqu'un qui connaît bien son domaine, qui connaît bien le domaine économique international. Et aussi, c'est quelqu'un qui connaît bien les problèmes économiques du Burkina, parce que nous sommes ici, on ne voit pas, mais dans les grandes institutions financières, que ce soit à la BCAO, à l'UEMOA, on connaît les problèmes économiques du Burkina. Donc, il n'est pas étranger quant à nos problèmes, en ce qui concerne nos problèmes économiques. Maintenant, l'autre syndrome, ou si vous voulez, l'autre erreur qu'il ne faut pas commettre, parce qu'on a vu avec l'ancien Premier ministre ivoirien Alassane Dramane Ouattara, c'était à un moment crucial, on l'a fait venir, ils sont tombés dans l'économicisme.
Il a envoyé la carte de séjour, l'argent frais est rentré, l'argent est rentré en vitesse comme les champs de Sanambop, mais on a vu la crise identitaire que la carte de séjour a créée. Donc la question économique aujourd'hui, il faut la prendre avec des pincettes. L'économie elle-même est encastrée dans la culture. Et il faut quand même, comme on appelle, une bonne symbiose pour que quand même un pays, surtout notre pays, dans notre contexte actuel, puisse aller de l'avant. Donc, c'est bien qu'on voit les problèmes économiques, mais il faut que, quand même, techniquement, il arrive à travailler. Et aussi, politiquement, il va falloir qu'on arrive à voir cette volonté politique des hommes politiques burkinabés à faire avancer le pays. Parce que ce qui nous met en retard, c'est pas la pauvreté en soi, c'est pas le manque de ressources, c'est pas quoi que ce soit, mais c'est le caractère des hommes politiques. Il faut que les hommes politiques aient ce caractère. Et moi, du coup, je vois, par exemple, au niveau de la formation de son gouvernement, il faut réduire les ministères. Si je prends, par exemple, le ministère de l'agriculture, on a un problème, on dit la sécurité alimentaire. Il faut rassembler le ministère de l'environnement, le ministère de l'agriculture et le ministère de l'élevage. Okay, mais est-ce que vous pensez qu'il a des chances de réussite? Mais c'est ça que je suis en train de démontrer. Voilà les chances. Parce qu'en lui-même, techniquement, en soi, il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur du pays, si par exemple Ismaël parlait d'alliance qui a permis au MPP au niveau de l'Assemblée, s'il faut venir distribuer les postes gouvernementaux comme des cacahuètes, ça va créer un effectif pléthorique de ministres qui va influencer négativement sur le travail du gouvernement. Et c'est pourquoi je dis par exemple, pourquoi je parle de faire attention sur l'économicisme. Et quand je parle des trois ministères qu'il faut rassembler, du coup, on a dans la conception des projets des conceptions complètes. L'environnement, l'agriculture, l'élevage. Et du coup, on peut faire face aux questions, agriculteurs-éleveurs. Vous prenez aussi, on a une crise culturelle. Il faut élever le ministère de la Culture à ministère d'État pour lui permettre de faire des propositions vaille que vaille. Et le même ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Élevage qu'on va rassembler, ça devient des ministères d'État. Donc, il faut voir de l'autre côté comment politiquement on doit travailler à réduire les politiciens. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Dacier? Oui, Ismaël. Je reviens sur un point. C'est vrai qu'il a parlé d'un aspect très important aujourd'hui qui est éventuellement la réduction du nombre de portefeuilles ministériels. Mais le plus grand défi qui attend ce nouveau gouvernement, ce président Roch Marc-Christian Kabore, son premier ministre et même le gouvernement qu'il va constituer, c'est la bonne gestion aujourd'hui de l'administration publique. Parce que tout ce qu'on dit, même si on a 10 portefeuilles ministériels, si ce n'est pas bien géré, on va retomber dans les mêmes travers. Vous avez aujourd'hui, par exemple, un problème réel auquel sont confrontés les fonctionnaires burkinabés. Vous avez des fonctionnaires qu'on emploie sur le terrain, qui font une année sans mandatement, qui n'ont pas de salaire. Il y a des corrections d'indemnité. Ça veut dire que dans l'administration, ça ne travaille pas. Aujourd'hui, si on ne gère pas bien les ressources du pays, on ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas le fait de réduire forcément le nombre de portefeuilles ministériels. Moi, je me rappelle que pendant la campagne électorale, c'est bien aujourd'hui qu'on ait des éléments archivés, qu'on puisse utiliser éventuellement, puisque les élections sont terminées. Sur le même plateau de la télé, ici, lors d'une émission de débat, Simon Compaoré, qui est le vice-président du MPP, a clairement dit qu'il n'y aura plus de ministres qui vont aller en conseil des ministres en V8. On va attendre de voir ce que cela va donner concrètement. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir cette possibilité-là de bien gérer les ressources de l'État. Parce que le Burkina, c'est vrai, vous avez parlé d'institutions internationales qui connaissent mieux. Mais l'autre, vous avez parlé de l'agriculture et tout. La question sécuritaire, par exemple. L'incivisme. Ce sont des faits réels aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés. Si vous avez un premier ministre, je reviens encore sur ce que j'ai dit, qui n'a pas la possibilité, par exemple, dans un ministère quelconque, qui gère mal, où on a des détournements, ou encore des mauvaises passations des marchés, le népotisme, le copinage et tout ce que vous voulez dans l'administration publique, et le Premier ministre n'a pas de marge de manœuvre, on va retomber dans les mêmes travers que le pays a connus. Le plus important, c'est la bonne gestion de nos ressources. Les maigres ressources qu'on a, si on arrive à bien les gérer, je pense qu'on va mieux s'en sortir. Oui, Rabo, sur les chances de réussite du nouveau Premier ministre. Je ne suis pas d'accord avec Dacier Benité sur un point, je suis d'accord avec lui sur un autre. Je ne suis pas d'accord avec lui sur la diminution des portefeuilles ministériels en nombre, parce que pour moi, ça ne me paraît pas être une préoccupation. Quand le champ du ministre est trop vaste, il n'arrive pas à cerner les problèmes. Je crois qu'il faut lui donner un champ assez réduit pour qu'il soit pointu à la fois dans les décisions et dans les suivis et évaluations des actions qui sont menées. Je crois que regrouper environnement, agriculture et élevage, ça fait trop. Un ministre seul ne peut pas couvrir toutes ces questions. Si la préoccupation, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent, qu'on a beaucoup de ministres, je ne crois pas qu'elle soit fondée. Un ministre au Burkina, franchement, ça ne coûte pas cher.
Si c'est un homme honnête, qui ne fait pas des détournements, qui ne passe pas les marchés en dehors des règles de l'art, je crois qu'il ne coûte pas cher. Nos ministres ne coûtent pas cher, il faut le dire. Et ce n'est pas avec 2 millions, 3 millions, 10 millions obtenus sur les salaires des ministres qu'on peut développer le Burkina. Par contre, je suis d'accord sur la question du ministère de la Culture. Et je me souviens avoir fait une interview, c'était dans le club de la presse du Centre national de presse Norbert Zongo avec le regretté le professeur Jean-Pierre Guingané, qui avait dit qu'en 80, après le coup d'État de Cyril Zerbo, il était secrétaire d'État à la présidence chargé de la culture parce qu'il avait insisté sur effectivement les problèmes culturels du Burkina Faso et sur le fait que ce secteur-là était vraiment en retard. Et le président Cyril Zerbo avait accepté et il avait choisi pour la première fois d'avoir un secrétaire d'État à la culture, Jean-Pierre Guingané, qui était à la présidence avec lui et qui avait donc des marges de manœuvre, assez de ressources pour travailler sur les préoccupations culturelles. Sur ça, je crois qu'on peut élever le ministère de la Culture, qui est aujourd'hui le parent pauvre de tous les ministères, au rang de ministère d'État et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de ressources dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur aussi qui peut rapporter des ressources au pays. Ok, oui, Baba. Moi, je me garderai vraiment de rentrer dans les détails, de savoir combien de portefeuilles il faut avoir, quel département il faut mettre ensemble et tout ça. Parce que je pense que le président, il a été élu sur la base d'un programme. Il va mettre en application son programme. On peut lui concéder toute la latitude de faire son gouvernement comme il l'entend avec son premier ministre et mettre l'accent sur les points qu'il veut en tout cas valoriser dans son programme. Si par exemple, dans son programme, il entend valoriser l'agriculture, et je pense que ce serait difficile de mettre et l'agriculture, l'environnement, l'eau, tout ça dans un même gros portefeuille. Ça ne permettra pas, comme Rabo l'a dit, de vraiment valoriser l'agriculture. Donc c'est au président vraiment, avec son premier ministre, de voir là où ils veulent. Parce qu'il faut reconnaître que dans ce pays, tout est prioritaire aujourd'hui. Donc, si on veut tout embrasser, on ne s'en sortira pas finalement. Donc il faut peut-être mettre l'accent sur des secteurs bien précis et avec des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Et avec, comme Rabo l'a dit, des champs d'action assez bien et centrés et sur lesquels vont vraiment se focaliser. Oui. Ça, à ce niveau, j'ai fini. Hein. À ce niveau, il faut qu'on s'entende dessus. Il ne faut pas trop polémiquer. Maintenant, il y a un point que Ismaël a soulevé qui me paraît très important. Le principe d'avoir les coudées franches, que le premier ministre puisse avoir les coudées franches pour pouvoir travailler. Parce que c'est ça aussi dans ce pays. On l'a vu avec mon confrère et grand frère Thiao, quand il est arrivé tout... optimiste de sa France en son temps, il a bombé la porte, il dit non, lui ne peut pas dire qu'il n'a pas les coudées franches pour travailler, il dit qu'il a les coudées franches, mais quelques mois après, on a vu la réalité du terrain l'a rattrapé. Il était pris au piège de tous ces ténors-là du pouvoir qui le tiraillaient dans tous les sens, finalement, il ne s'en est pas sorti. Donc, à ce niveau, c'est un point important, il faut que le premier ministre puisse avoir les coudées franches pour pouvoir travailler, c'est important. Je crois que tout ça, conjugué avec une gestion vraiment parcimonieuse de nos maigres ressources, le premier ministre peut s'en sortir. Maintenant, si on ne le fait pas, bon. Oui, en tout cas, lors de son premier discours, voilà, juste quelques heures après son arrivée, il a dit qu'il allait faire donc un gouvernement à la hauteur des attentes, des défis auxquels le peuple burkinabé donc est confronté. On va évoluer un peu dans le débat. C'est vrai que Paul Kabatieba a été nommé, mais c'est pas tout. Il doit, dans 30 jours au maximum après donc sa nomination, faire son discours à l'Assemblée nationale qu'il doit valider. Et c'est juste après cela qu'il sera investi. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il doit avoir la caution, l'accompagnement des députés pour être investi comme Premier ministre. Donc il y a un vote qui pourrait le sanctionner. Et il a juste quelques jours pour... régler cette formalité-là. Je crois que c'est ce qui a probablement fait qu'on a tiré en longueur dans la nomination du Premier ministre, parce qu'il fallait s'entendre au préalable avant de nommer quelqu'un. Et je crois que cette question-là n'est pas étrangère, finalement, au faux départ de Rosine Sori Koulibaly. Je crois qu'elle ne devrait pas faire l'unanimité, en tout cas, d'après ce qui me revient, même si elle était le choix de certains ténors du MPP.
d'après les informations que j'ai. Donc, je crois que pour Paul Kaba Tieba, ce préalable a été réglé. Tout le monde est d'accord sur sa personne, son profil. Et donc, il n'y aura pas de problème normalement. Et on a vu avec Salif Diallo, c'est un sujet qu'on va évoquer. Il devait avoir 67 voix mathématiquement et théoriquement. Il en a eu 78. Voilà, donc pour Paul Kaba Tieba, il va avoir plus qu'on ne prévoit. Voilà, puisqu'on voit des partis qui sont vite allés secourir le MPP. En tout cas, il y a l'UPC qui a pris acte, dans une note en tout cas, dit avoir pris acte de la nomination du Premier ministre Paul Kaba Tieba. Alors, on va revenir sur le sujet dont tu parlais tout à l'heure, Rabo. Mardi soir, tous les Burkinabés pensaient avoir un Premier ministre, donc en la personne de Rosine Sori Koulibaly. Mais c'était une fausse information, si on peut le dire, qui a été diffusée dans les médias nationaux comme internationaux. Alors, selon vous, d'où est partie cette information et quelle analyse vous en faites, Bama? Franchement, moi personnellement, c'est bon de commencer par les journalistes d'investigation. Non, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, moi, voilà un aspect des choses qui ne m'a pas du tout intéressé. Parce que moi, je me suis dit, la nomination du Premier ministre, c'est quelque chose qui vient vers nous. Et j'ai coutume de dire aux gens, quelque chose qui vient vers toi, on n'a pas besoin de se lever au pouvoir. Ça, on laisse venir. Donc moi, toute cette campagne de presse sur Rosine, moi, franchement, je ne me suis pas du tout intéressé à ça. J'ai entendu des gens faire les unes sur ça et tout ça. Moi, je me disais, et tant qu'il n'y a pas un décret qui est sorti pour dire, voilà, le Premier ministre, je ne sais pas pourquoi je vais me presser. Je ne sais pas quel mérite il y a pour un journaliste d'annoncer le premier que c'est un tel qui est Premier ministre. Parce qu'il n'y a pas eu d'investigation, le président a nommé sa chose, tu as eu l'information, tu balances et puis c'est tout. Donc moi, je n'étais pas du tout pressé à ce niveau-là. Ceux qui l'ont fait, bon, je ne sais pas trop quel dessin était derrière ça. Donc moi, c'est un peu ça, quoi. Oui, Dassi. Oui, merci. Je pense que ce n'est pas étonnant. C'est de la culture politique que quand même Burkinabé, le plus souvent, quand il s'agit des informations comme ça, on se précipite. Mais ceux qui ont donné l'information n'ont pas tort. C'est une information qu'ils ont eue. Et maintenant... Non, mais c'est sans avoir le décret sous la main. Non, ce n'est pas sans avoir le décret sous la main. Nous sommes de la presse, on sait comment on fait la guerre de l'information. Et si ceux qui l'ont donné l'information, ceux qui ont eu l'information, ont eu ça des ténors, par exemple, du MPP, et ils étaient sûrs. Parce que Paul, on sait que le Premier ministre nommé est venu à la dernière minute, il n'était pas dans la pronostic. C'est normal qu'on fasse des pronostics. Et tout le monde sait que dans le trio R2S, Roch, Salif, Simon, il y avait en tout cas, et comme on appelle, des tracasseries, ou si vous voulez, il y avait des débats. Et maintenant... Vous a vu qu'on parlait de Bissiri Sirima, on parlait de Damo Justin, on parlait de Simon Compaoré lui-même. Donc, et à la dernière minute, on parle de Madame Koulibaly. Et par la suite encore, on fait venir l'autre. Donc, ce qui veut dire, c'est déjà des preuves qu'à l'air sain, il y avait véritablement un débat sur cette question. Et ceux qui ont eu l'information que c'est Madame Koulibaly ont donné l'information pour être les premiers. Et à ce niveau, ce n'est pas mauvais en soi. C'est à ce niveau, il faut voir aussi... Est-ce que la règle journalistique ne contraint pas de vérifier l'information? Non, ici, ce n'est pas une question de vérifier l'information, c'est une question de savoir qui sera le premier à passer l'information. Pour moi, ce n'est pas sanctionnable. Pourquoi je le dis? Et ces médias, il faut encourager les médias à agir dans ce sens. Non, ce n'est pas une fausse information. C'est la guerre de l'information. Après, on est venu, on a déconfiné. Pourquoi je raisonne ainsi? Vous savez qu'en Afrique noire, et nous, dans notre pays ici, nous sommes les derniers à avoir les informations de chez nous. Et quand on a nommé le Premier ministre Kaba, qui a donné le premier l'information? Et vous-même, ici, à la RTB, radio comme télé, est-ce que quand il y a des événements nationaux, la presse nationale même bouleverse son programme pour informer la population à temps réel? Il faut attendre les grandes. Donc, pour moi, ici, c'est une guerre de l'information et il faut prendre ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que c'est une fausse information, pourtant, si on refouille bien dans la série politique, il s'est décidé quelque part que c'est elle. Puisqu'elle a été effectivement interrogée. Voilà. Il ne faut pas se laisser aller à certaines déclarations parce que c'était une fausse information. Ce n'est pas une déclaration. Non, elle a été consultée. Non, mais il ne faut pas. Elle a été consultée ou pas? C'est une fausse information. Moi, je me dis qu'un Premier ministre. Oui, mais elle a été consultée ou pas? Un Premier ministre, quand il est nommé, il y a un décret. Et moi, je me dis qu'on est journaliste. Il faut qu'on s'entende dessus. Quand on est journaliste, il faut quand même avoir un document officiel qui dit que voilà le Premier ministre. Pour te mettre à dire non, voilà le Premier ministre. Moi, j'étais surpris de voir des gens
et revenir même sur les informations qu'on donne la veille pour dire oui, non, faut se le dire. Voilà, tant que tu n'as pas vu le décret qui a nommé le Premier ministre, il ne faut pas aller sur ton plateau mettre à la une de son journal que non, c'est une telle qui est nommée Premier ministre. Il faut qu'on se le dise quand même. Donc, ça, c'est une fausse information. Je pense que, Ismaël, ce que moi je peux dire de cette affaire, c'est vrai que les journalistes aussi étaient à la recherche du scoop. Ça, c'est le premier élément d'information qu'il faut avoir. C'est vrai qu'il y a certaines presses qui ont eu à le dire ouvertement que Rochma Christian Kabore avait nommé Mme Koulibaly avant de se rétracter. Mais il y en a aussi qui en ont parlé au conditionnel. Je pense que le journalisme ne l'empêche pas. Parce qu'aujourd'hui, on était dans une situation où c'était assez compliqué. L'attente était devenue insupportable. On a fait pratiquement 8 jours, contrairement à ce qu'on pensait, ceux qui pensaient que le gouvernement de Rochma Christian Kabore était même pratiquement prêt et tout. Mais au jour le jour, chacun essaie de chercher l'information. Parce que ce que moi, je peux vous donner comme information, on a eu à passer des coups de fil dans l'entourage même du président ou encore des premiers responsables du MPP. 99% vous confirme que c'est la dame qui est presque choisie comme premier ministre, même si le décret n'était pas signé. Est-ce que si vous avez une telle information et que vous la mettez au conditionnel, ça enlève quelque chose dans la pertinence de ce que vous dites? Si vous confirmez, là, je ne suis pas d'accord. Si vous dites, de façon, vous êtes affirmatif, vous le dites tout de suite et maintenant, oui, c'est cette dame-là qui a été nommée, là, il y a problème dans le métier. Mais si vous le dites au conditionnel, elle est bien, elle serait pressentie pour être premier ministre, moi, je ne vois pas en quoi ça pose problème. Parce que polémiquer et tout, ça arrive. Et même mieux, la preuve, c'est qu'on est resté à débattre, à n'en pas finir, mais c'est le lendemain, très tôt le matin, à 6h, que dans les radios, on a déposé le courrier de nomination de la bonne dame. C'est vrai qu'on ne sait pas qui a entretenu cette rumeur, mais... non, mais je vais dire la rumeur, notamment la concernant, mais la nomination de Kaba Thieba est intervenue le lendemain matin. Mais ce que je vais dire, c'est que ce serait bien aussi qu'au niveau du MPP, on essaie de discipliner aussi les militants. Parce que ce qui était encore plus regrettable, c'est vrai qu'on ne va pas encore revenir indéfiniment là-dessus. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a pu constater? La plupart des personnes qui ont fait fuiter l'information, ce sont des gens qui la veille ou l'avant-veille, vous les avez vus derrière le président Rochma Christian Kabore en train de faire des photos. Ce sont les mêmes. Et vous appelez même des personnes qui étaient dans le cercle restreint du président dans la communication qui vous disent à 99%, c'est la dame qui a été choisie, on attend juste que le décret soit signé. Dans ce cas de figure, vous pouvez mettre ça au conditionnel en attendant la confirmation. Maintenant, si vous mettez au conditionnel et que ce n'est pas fait, vous revenez sur l'information. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a pu regretter. Il y a certains sites d'information qui ont dit clairement qu'elle a été nommée, mais ils se sont excusés, ils sont revenus en arrière. Mais bon, vous ne pouvez pas mettre fin à cette pratique parce que même demain, s'il y a d'autres possibilités de courir derrière l'information, les gens vont le faire. Oui, d'accord. Je crois que le débat est intéressant puisque moi, j'ai donné l'information en tant que journaliste de radio sur la nomination de Rosine Sori et Koulibaly. Parce que je ne fais pas le même journalisme que Lagui Bama. Lui fait un journalisme décalé qui n'est pas instantané. Donc, il peut prendre 2 semaines pour chercher des informations. Moi, je la cherche à la minute. Et donc, quand j'ai une information comme ça, je la vérifie. Et je l'ai vérifiée auprès de responsables du MPP qui m'ont confirmé, mais qui m'ont dit, sous réserve de la signature du décret présidentiel. Je crois que pendant une semaine, la presse a polémiqué sur un tel sera choisi, un tel autre, un tel autre. Et si vous avez un nom qui se dégage, je crois que vous avez la latitude de le dire. Lagui Bama dit qu'on ne peut pas donner une information et puis le lendemain dit qu'elle n'était pas bonne, on s'en excuse. Mais ça se fait. Le rectificatif est fait pour ça en journalisme. Nous sommes des humains et nous nous trompons de temps en temps. Seulement, il faut que ce soit de bonne foi. Moi, je crois que le problème qu'il y a eu, il y a eu des erreurs au niveau de la presse, on s'en excuse. Moi, en tout cas, je m'en excuse, je m'en suis excusé auprès de mes auditeurs. Il y a eu des problèmes aussi au niveau du MPP. Et c'est en cela que le sujet est intéressant. Et c'est en cela que notre débat aujourd'hui est intéressant. Au MPP, moi, je crois que ce qu'on tire comme leçon, il y a des gens qui voulaient imposer Mme Rosine Sori Koulibaly comme Premier ministre et qui ont voulu mettre les autres devant le fait accompli, qui se sont dit si la presse la présente comme le Premier ministre, le président sera obligé, puisqu'il a une liste dans laquelle il doit choisir. Et comme nous, c'est notre Premier ministre, nous, on va faire sa campagne électorale et on va l'imposer à la presse. Et finalement, je crois que celui qui était qualifié pour désigner le Premier ministre, et je crois que ça doit être Simon Compaoré, je crois que c'est lui qui n'a pas dû accepter Rosine Sori Koulibaly et qui a dû dire niet. En tout cas, c'est l'analyse que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et je, non, mais ça c'est pour l'opinion. Il ne dit pas ça au MPP, il dit ça à l'opinion. Moi, je crois... Non, moi, quand je fais mes analyses, je termine, je fais mes analyses, il y a 3 têtes au MPP qu'on appelle RSS. Je crois que R est à Kossiam. Le premier S est à l'Assemblée nationale. Il reste un S.
le 1S là doit avoir la latitude de nommer le Premier ministre. S'il ne veut pas être Premier ministre, je crois que parce qu'il y avait le handicap de l'équilibre régional, Simon Compaoré était Moira, ne pouvait pas être Premier ministre, il fallait que ce soit lui qui désigne le Premier ministre. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent passer outre Simon Compaoré pour imposer quelqu'un à Roc, il va créer des problèmes à la presse. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Et Simon a fait venir Paul Kaba-Tiéba. C'est la conclusion que moi, je tire. Oui, d'assez oui, de venuté. Vous voyez que c'est intéressant. C'est pourquoi moi, j'ai fait la connaissance directe. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la dame a été consultée pour être Premier ministre ou pas. C'est ça, et la elle était à Ouaga. C'est ça la véracité de l'information. La véracité de l'information n'est pas le fait qu'on ne l'a pas confirmé Premier ministre, mais la véracité de l'information journalistique ici est qu'elle a été consultée par oui, qui de droit pour être Premier ministre. Les gens ont publié, maintenant, on n'a pas non, dit qu'on l'a consultée. Non, non, on a non, dit que la, le nouveau je Premier termine, ministre je vais jusqu'au bout de mes Rosine idées. Ici, Sori Koulibaly. Oui, ici, là, c'est différent non, de ce que vous dites. Je termine. Je vais à la connaissance directe. Mm-hmm. Maintenant, je rejoins Rabot pour dire que si au sein du MPP, on a su qu'il y a un camp qui veut que la dame soit imposée. Voilà qu'on va assister à une guerre de presse au sein même du MPP. Et qu'est-ce qui prouve que le président Roc n'avait même pas pris un décret qui a nommé la dame et après on a annulé le décret. Justement, parce que y a en ce moment, oui, en ce moment, c'est Ladji Bama. Ce que Rabot a dit tout à l'heure, que c'était pour l'écarter qu'on a. On a donné son nom à la presse. Oui, mais en ce moment, c'est Ladji Bama qui, dans ses investigations, un jour, viendra nous confirmer ce qu'on. Parce que c'est le niveau de débat. Oui. On est dans l'information instantanée. C'est les investigateurs qui vont venir nous démentir si vraiment nos analyses aussi sont justes ou pas. Oui. Sinon, oui, on attend ça. Ismaël, un dernier mot sur la question. Il a été nommé, c'est fini. Il n'a qu'à travailler pour le développement du pays. Parce que même si on fait les investigations, on revient pour dire ça aurait dû être elle, ce n'est plus elle, le Burkina doit aller de l'avant. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on apprend beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà une guerre de communication autour de la pression du président Roch Marc-Christian Kabore. Il y a au moins deux ou trois ou quatre têtes même qui se tiraient là-bas. Chacun veut être le responsable de la communication du président. Ça, c'est un premier problème. Au niveau du MPP, il faut discipliner également les responsables du parti. Parce que entre dans l'opposition ou bien être penser qu'on est dans un système rétroactif où on va revenir sur certaines pratiques, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a un président de la République. On a un président de l'Assemblée nationale, c'est Simon Compaoré qui a démenti du reste. Il a tenu à démentir le fait que lui, à aucun moment, il n'a une aide dans cette affaire-là. Tant mieux, mais toujours est-il que... Vous voulez qu'il dise que c'est lui le responsable? Mais il peut s'assumer politiquement. Non, je pense qu'il peut s'assumer. Il peut s'assumer. De toute façon, il peut s'assumer. Même s'il ne le fera pas, il peut s'assumer. Ce que moi je dis, c'est qu'à partir de cet instant... Vous allez même, vous ne pouvez pas empêcher le journaliste de commencer à dire c'est telle personne qui est pressentie pour être tel ministre ou tel ministre. Déjà, on a des noms par rapport à des portefeuilles ministériels. Si on commence à en parler maintenant, et c'est pas souvent, très souvent, ce que les journalistes disent qui est faux. Il y a du vrai dans ce que les journalistes disent très souvent. Maintenant, elle peut ne pas être Premier ministre aujourd'hui, peut-être dans un an ou deux ans. Le monsieur, il va pas bien réussir sa mission. On va la rappeler. Après, qui aurait eu raison? Les journalistes ou encore le MPP? La question demeure posée. OK, le débat, en tout cas, on peut tirer en long et en large sur cette information donc, qui a fuité et qui n'a pas été confirmée donc, par le président Roch Marc-Christian Kabore, qui a finalement nommé Paul Kaba-Tiéba au poste de Premier ministre. On va évoluer dans le débat parce que nous sommes pris par le temps. Alors, Salifou Diallo, d'abord, il y a déjà une petite polémique sur le nom Salif ou Salifou. Officiellement, c'est Salifou Diallo, mais bon... Le premier vice-président du MPP est désormais la deuxième personnalité du pays élue par les députés. Donc, c'était en fin décembre à l'Assemblée nationale. Alors, vous l'attendiez en tant que président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo? Moi, je ne l'attendais pas parce qu'il a dit à la création du MPP, lorsqu'une question lui a été posée, quel poste éventuel il pourrait occuper, puisqu'il annonçait déjà à Roch Marc-Christian Kabore président. Il a dit qu'il ne voulait pas de poste. Il a dit qu'il entendait s'occuper de son parti et de la formation politique de la jeunesse du MPP lorsque Roch serait placé à Kossiam. Et donc, c'est avec surprise que j'ai entendu qu'il était candidat. Et dès lors qu'il était candidat, c'était sûr qu'il allait être élu. Je crois que c'est d'autres calculs qui ont dû amener Salif Diallo à prendre le perchoir.
peut-être à son niveau, peut-être au niveau des militants du MPP, qui se disent il y a beaucoup d'affaires de justice dans l'air, il y a beaucoup de menaces éventuelles sur certains leaders du MPP. Il faut sécuriser notre homme fort, notre crème, notre cerveau, de sorte que la justice ne puisse rien contre lui, éventuellement, s'il y avait des dossiers dans lesquels Salif Diallo était cité. Moi, je crois que c'est ces analyses-là qui ont dû être faites. Sinon, je sais qu'au départ, il a déclaré qu'il n'en voulait pas. D'accord, oui. Ismaël. Non, mais en fait, il y a déjà, j'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes, même avant les élections. Beaucoup de voix se lèvent pour dire que Salif Diallo visait l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la presse, mais si on avait parlé que ça se confirmait, on allait encore revenir sur l'affaire Rousine. Mais l'histoire de l'élection de Salif Diallo à la tête du Parlement burkinabé, je pense que ça ne doit pas être une grande surprise. Rappelez-vous ce qui a valu sa sanction au sein du CDP. C'est quand il avait fait cette proposition, lors de l'interview qu'il avait accordée à l'Observateur Palga, où il parlait des régimes parlementaires. Dans 6 mois, le président Roch Marc Christian Kabore compte passer à une 5e République. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé aujourd'hui pour faire cette réforme si ce n'est pas Salif Diallo, puisqu'il avait fait une interview, il avait même déjà planifié les types de réformes qu'il fallait entreprendre pour le Burkina Faso. Il a maintenant les mains libres pour le faire. Maintenant, là où on peut peut-être éventuellement regretter, c'est le fait que c'est quelqu'un qui aurait été pendant des années dans le système Compaoré, qui a eu à gérer des affaires dans ce pays, dont le nom a été cité, même si on se demande pourquoi jusqu'à présent on n'a pas le courage de l'entendre et tout ça. Mais aujourd'hui, le fait qu'il soit président de l'Assemblée nationale, on craint, il y a une grosse inquiétude aujourd'hui. Est-ce que les promesses de justice qui ont été faites par le président Roch Marc Christian Kabore, on pourra aller jusqu'au bout? Parce qu'il a beau soulever un point très important. Dès lors qu'il a l'humilité, c'est fini, ça veut dire qu'on ne peut plus encore le poursuivre ou quoi que ce soit. Et même plus loin, ça va encore dédouaner beaucoup de responsables du MPP. Et on a parti peut-être pour 5 ans et on espère que l'impunité, là, qui a été l'un des objectifs majeurs de la lutte qui a été menée par le peuple, là, ne sera pas désavouée aujourd'hui. Parce que si on n'arrive pas à rendre justice à toutes ces personnes, on ne dit pas que Salif Diallo est coupable de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, de par sa position de président de l'Assemblée nationale, c'est difficile aujourd'hui de l'entendre. D'accord. Et c'est un problème aujourd'hui pour les questions de justice. Merci. Oui, merci. Je pense que ce n'est pas étonnant, parce que ce qui allait être étonnant, c'est quand au Burkina Faso, quelqu'un va faire un tel combat pour ne pas occuper un poste. Voilà. Mais chaque jour que Dieu faisait, cette vision qu'il avait se confirmait, jusqu'au jour où on a vu son nom sur la liste des députables au niveau du MPP. Maintenant, ce à quoi on s'attendait plus, c'est la guerre des Trois. Voilà. Mais finalement, la guerre des Trois s'est résumée à l'affaire Rosine. Maintenant, on espère qu'au niveau de l'Assemblée, et comme lui-même il a dit, il faut voter des lois en faveur de ces peuples. Ça sera fait. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, les assemblées ne votent pas les lois en faveur du peuple. C'est des lois qui viennent même prendre le peuple à contre-pied, qui viennent même prendre le peuple dans ses problèmes. Et tu te lèves le matin, tu te rends compte qu'il y a telle ou telle chose. Pourtant, si vous prenez l'affaire des référendums, dans aucune partie des constitutions africaines francophones, vous n'avez pas vu qu'on a dit qu'il faut consulter le peuple pour des questions, par exemple, monétaires, des questions territoriales, des questions de diplomatie, rien. Mais aujourd'hui, les vrais débats, c'est ça. Donc, est-ce qu'on va avoir des lois aujourd'hui qui vont permettre au peuple d'être vraiment un peuple souverain, un peuple indépendant? Mais en attendant, je pense que sa venue, en tout cas, n'est pas étonnante. Et on attend de voir quel débat va se mener à l'Assemblée. Espérons que le direct va se reprendre. On va suivre les débats en direct comme ça se faisait. Et mieux encore, espérons aussi qu'au niveau, comment on appelle, de Simon qui reste, il va trouver une place pour ne pas que quand on va commencer à démarrer le navire, qu'il y ait encore des gens qui réclament des postes pour qu'on puisse arrêter. Le navire, voilà, est déjà... Non, il faut poser toujours des questions. Non, c'est quoi, voilà. Non, non, donc, non, c'est Simon. Pas Simon, Simon, Simon. Non. Le même Salif Diallo lui a dit, oui, que le pouvoir, ce n'est pas un gâteau qu'on partage. Oui. Simon Compaoré, s'il vous plaît, a été 17 ans maire de la ville de Ouagadougou. Lui-même, quand vous faites des interviews, moi j'ai eu à interviewer Simon Compaoré à plusieurs reprises, il a dit que lui, il est fatigué, il veut se reposer. Pourquoi vous voulez le forcer à le mettre dans une responsabilité? Non, je trouve que... On peut le nommer même conseiller spécial de Roch Marc Christian Kabore. Pour moi, ce n'est pas un élément très important. Aujourd'hui, on a des jeunes.
Ça veut dire, faut que nous-mêmes, on soit quand même consciencieux, il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Est-ce qu'il faut continuer à prendre des retraités pour les mettre dans l'administration publique alors qu'on a des jeunes qui peuvent servir pour le développement du pays? Soyons raisonnables quand même. Non, mais... Parce que ce que vous dites là, c'est grave parce que vous mettez dans la disposition d'un responsable du MPP aujourd'hui qui dit, comme si moi, comparé, fait partie de l'une des têtes, il faut qu'on le récompense aujourd'hui. La politique, ce n'est pas forcément des récompenses. Laissez le monsieur se reposer. Lui-même, il a dit qu'il ne veut plus de responsabilités. Il n'a qu'à être un conseiller quelque part. La vie continue. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'élection de Salif Diallo? Tout comme Rabot, moi, j'ai été aussi surpris de le voir à cette place parce que au-delà même de sa déclaration au moment de la création de son parti, moi, je le voyais quand même, après tout ce parcours-là, déjà assez fatigué, qu'il cherchait peut-être à se reposer, surtout qu'il avait gagné son duel avec le petit président, comme on l'a dit, après avoir vaincu le régime Compaoré et tout ça. Je me disais qu'il allait dire ouf, il allait chercher à se reposer. Mm-hmm. Si bien que le voir encore à la tête de l'Assemblée, qui n'est pas une partie de plaisir, faut le dire, parce que contrairement à ce que les gens pensent, président de l'Assemblée nationale, c'est pas un poste où il faut aller pour dormir. Donc vraiment, j'ai été surpris. Mais là où j'étais quand même un peu, j'étais un peu satisfait quand même quelque part quand j'étais à l'Assemblée le jour de son élection, dès son élection, sa première prise de parole, sa déclaration qu'il a eu à faire m'a un peu rassuré quand même. Parce que je sens encore en lui quelqu'un qui veut encore se battre, qui a encore quelque chose à donner à ce pays. Surtout quand je l'écoute dire qu'il a dit à ses camarades et députés qui se mettent dans la tête qu'ils ne sont pas venus ici pour devenir des petits bourgeois, pour se faire encore plein les poches et puis partir dormir chez eux, qui sont venus pour travailler. Et ça, conjugué avec ce que Ismaël venait de dire, ce qu'il a comme projet de réforme, surtout au niveau parlementaire pour le pays, si c'est quelque chose qu'il avait mûri depuis longtemps, peut-être que c'est l'occasion pour lui d'implémenter un peu cette vision qu'il a là. Donc, ce que moi je peux dire, attendant de voir. D'accord. Alors, si on jette un coup d'œil sur son élection avec les 78 voix qu'il a obtenues, Rabot en a parlé légèrement au début de l'émission. Quand on fait les calculs, on voit que soit il y a des députés de l'UPC ou du CDP qui ont voté pour Salif Diallo. Alors, les alliances au sein de cette nouvelle assemblée, comment vous les percevez? Ismaël. Les alliances qui avaient déjà été consultées avant même qu'on arrive à l'élection de Salif Diallo, rappelez-vous que le parti Burkindlim, qui est constitué de formations politiques du groupe parlementaire Burkindlim, donc, avait déjà soutenu Salif Diallo. Mais en fait, vous savez, ce n'est pas étonnant. Quand vous regardez les deux têtes qu'il y avait pour la candidature, Adama Sosso de l'UPC ne faisait pas le poids devant Salif Diallo. L'UPC a donné la candidature de quelqu'un, juste quand même, c'est pour le jeu politique. Mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Moi, j'aimerais quand même toujours sur le cas Salif Diallo revenir sur ses premières déclarations qu'il a eu à parler quand il a été fait. Il a parlé notamment du fait qu'il faut travailler, notamment avoir des députés, de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir un sort plus lamentable que les députés qui ont été chassés par le peuple. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais, parce que tous les députés, là, c'est vrai qu'il y a des députés de l'UPC qui ont eu à voter pour lui, parce que vous allez voter contre lui, ça va changer quoi dans le fond? Comme il y a aussi des bulletins nuls qu'on a pu enregistrer, il y a rien qui n'ont pas voté pour l'un ni pour l'autre. Tant mieux, mais l'élection de Salif Diallo, pour moi, ce n'est pas une surprise. Le plus important, c'est qu'on puisse avoir un parlement responsable. Parce que Rabot a soulevé un point que les gens oublient. Les députés coûtent plus cher que les ministres. Les Burkinabés ne parlent pas beaucoup de ça. Moi, j'attends de Salif Diallo, par exemple, en tant que président de l'Assemblée nationale, qu'il arrive à mettre en place un mécanisme qui puisse faire toute la lumière sur la gestion du Parlement. Parce que de toutes les institutions du Burkina Faso, l'Assemblée est la seule institution où on n'a pas d'autorité de contrôle sur la gestion des fonds de l'État. Si l'Assemblée nationale arrive à avoir toute la transparence, ce serait une bonne chose. Et ils arrivent à inspecter chez les autres pour voir que si les autres gèrent bien les ressources de l'État, eux-mêmes, personne n'a le droit d'aller vérifier ce qu'ils font avec l'argent du contribuable. Donc, du coup, elle ne va pas. Donc, du coup, on espère qu'elle va y aller pour faire toute la lumière. C'est une bonne transition pour parler de cet autre sujet. Ah, d'accord. On a vu juste qu'à la fin de la transition, il y a le personnel donc administratif du CNT qui a demandé un audit donc de la gestion du CNT. Il dénonce notamment un mépris sans précédent quant au respect des droits les plus élémentaires donc des travailleurs et une vague de recrutement irrégulier. Oui, c'est vrai, mais on se rappelle que le 27 décembre, à côté, le Premier ministre, quand il faisait sa conférence de presse de bilan
Yacouba Isaac Zida, il a dit que c'est vraiment naturel d'auditer la transition, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement, que ce soit la présidence du FASO, il faut faire l'audit. Moi, je crois que même si le personnel ne l'avait pas demandé, il fallait le faire. Encore que le personnel le demande, je crois que c'est une raison supplémentaire d'auditer le CNT pendant la gestion du président Chérif Sy. On dit qu'il avait droit de recruter 5 personnes, il a recruté 35. Voilà, il faut faire la lumière là-dessus et puis mettre tout le monde devant ses responsabilités. Et les présidents d'institutions, les ministres devaient déposer la liste de leurs biens à la fin de leur mission. Je crois qu'ils vont faire dans les jours à venir. J'espère qu'ils n'auront pas oublié. L'achat de la transition l'a prévu. Donc il faut auditer tout le monde, y compris le CNT, et puis pour qu'on passe à autre chose. D'accord. C'est votre avis, Baba? Bien sûr. Parce que en tant que tel, un audit, on ne peut pas s'opposer. Parce que moi, je me dis que c'est une occasion encore de faire dans la transparence, mm-hmm. permettre à tout un chacun de rendre compte de sa gestion et de montrer patte blanche après avoir séjourné à certains postes. Mm-hmm. Donc, en soi, moi, je ne pense pas qu'il y ait du mal à ce qu'on procède à l'audit. Seulement, ce que moi, je regrette, c'est que quand on écoute un peu ces travailleurs-là qui font tout ce tapage, je me demande bien s'il n'y a pas un peu une petite dose de manipulation aussi derrière, parce que je ne sais pas pourquoi c'est maintenant qu'on exige à tue-tête cette audit, quand on sait que bien avant, le CNT, le même personnel était à l'Assemblée, il y a eu toujours des recrutements. Parce à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'appel à candidature pour recruter à l'Assemblée nationale. Hein. Uh-huh. Ça a toujours été fait comme ça. J'en connais qui sont là-bas par des voies détournées. Mais on n'a jamais fait cas de ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est au soir de la gestion de mon grand frère, si Chérif, qu'on exige. Bon, mais si on doit le faire pour faire la transparence, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Et je pense que si Chérif lui-même, il y a intérêt à ce que cette audit ait lieu, que bon, chacun puisse en tout cas s'en tirer de façon vraiment claire. Quoi. D'accord. Dassi. Oui, merci. Je pense qu'il y a un adage qui dit que si le balai et la souris sortent, dire que la femme du roi pisse sur sa natte, personne ne peut contredire. Parce que la souris et le balai, on sait dans nos sociétés, connaissent les intimités de la famille. Mmh. Voilà, donc à ce niveau, et si le personnel existe là, je pense que même dans le cadre républicain, légal, ça se fait. Mais attention, est-ce qu'un audit, c'est un contrôle ? Techniquement, c'est différent. S'ils veulent vraiment, ils estiment qu'il y a il y a une mauvaise gestion, il faut faire à la fois un audit et un contrôle. Voilà. Mais si c'est l'audit, c'est pas forcément pour venir attraper quelqu'un, c'est pour voir si, en tout cas, et techniquement, la procédure a été respectée. Mais le contrôle, c'est pour voir s'il y a des problèmes. Voilà. Et du coup, on ne peut pas. C'est vrai que le Premier ministre dit qu'on doit auditer normalement aussi la transition, mais ce n'est pas ça le problème. Seulement, quand la transition est venue, je pense que j'ai toujours dit qu'il faut d'abord faire un rapport sur l'héritage de Blaise Compaoré. Et même l'Assemblée qui est partie en flammes, j'ai toujours crié ça à Radio Jeunesse, il nous faut un rapport scientifique en bonne et due forme. L'Assemblée qui est partie en flammes, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, comment il faut se réorganiser. Et on n'a pas pu faire ces rapports. Nous voilà encore sur un autre problème d'audit ou de contrôle du CNT. Et c'est valable pour toutes les autres institutions. Et c'est là encore, je reviens sur ma gestion. La gestion, on ne peut pas parler de gestion sans parler de l'organisation. Et quand j'ai commencé directement pour dire qu'au niveau du Premier ministre, il faut voir comment même il faut réduire les institutions, revoir les systèmes de recrutement et au niveau des cadres, voir l'organisation. Par exemple, vous avez parlé de recrutement. Prenez par exemple les cadres de l'administration. Il faut prendre des mesures pour qu'un cadre ne fasse pas 3 ans dans son poste. Il y a des cadres qui sont inamovibles. Pourtant, la mobilité des cadres permet l'innovation, la créativité, et même ça permet de corriger certaines erreurs. Donc, ça peut créer l'instabilité aussi. Pas l'instabilité, non. Oui. Si vous avez remarqué, ce qui nous tue, c'est ça, l'inamovibilité des cadres. Il y a des gens qui sont assis dans leur place, ils connaissent tous les rouages. C'est pourquoi aux impôts, vous avez vu comment les gens ont maté l'État. Et aujourd'hui, vous voyez au niveau du ministère de l'Éducation, comment on est en train d'auditionner des gens qui font venir des enseignants à Ouagadougou, et vous partez dans une salle, vous avez 4 enseignants dans la même salle, pourtant dans certains villages au Burkina, il n'y a même pas d'enseignants. Et vous prenez, quand je parlais des institutions, je vous donne un seul exemple.
Prenez par exemple aujourd'hui l'institution IDS, vous prenez l'NSK. Qu'est-ce que l'IDS vient chercher dans le cadre des formations alors que l'État recrute des enseignants du secondaire avec le 2, avec la licence et parfois même à la maîtrise? Pourquoi pas tuer l'IDS et renforcer maintenant la formation universitaire et l'État vient faire des recrutements directs à l'université selon le niveau qu'il veut? Mais pourquoi créer des institutions pour qu'on forme? Vous avez l'NSK à Kourougou, vous avez l'IDS ici, et ça ne résout pas véritablement. Donc, il faut une organisation afin de mieux gérer la ressource humaine qu'il faut d'ailleurs former. D'accord. On va revenir sur le cas donc, des audits de la transition et du CNT, notamment avec Ismaël Ouédraogo. Rappelez-vous, il y a 4 à 5 mois, sur ce même plateau, je disais, quand vous êtes nommé ministre, en principe, avant même la fin de votre mandat, vous devez commencer à faire le bilan de votre travail. À la fin, là, normalement, le jour qu'on va avoir le gouvernement, si on appelle les ministres de la transition pour leur dire voici la passation des charges, vous devez remettre les dossiers avant de partir. Ce n'est même pas, pour moi, ça ne devrait même pas considérer des problèmes. Chérif, s'il est un journaliste, il est un journaliste, le minimum pour lui, c'est de faire toute la lumière. Parce que si on est arrivé à le prendre comme président du CNT, c'est parce qu'on lui faisait confiance, parce que c'est une personne digne de bonne foi, c'est une personne, en principe, qui ne doit pas avoir trop de problèmes. Mais si on veut qu'on fasse un audit aujourd'hui de la gestion de Chérif, c'est très simple. Que lui et toutes les personnes qui l'ont aidé à faire ce travail d'un an-là, qu'ils sortent, qu'ils s'asseyent ensemble, qu'ils fassent le bilan de leur gestion, qu'ils lancent ça public. Si après, maintenant, il y a des contestations par rapport à leur gestion, ben, qu'on aille aux confrontations. C'est aussi simple que ça, parce que pour moi-même, ça ne devait même pas faire l'objet de polémiques aujourd'hui. Il a recruté des gens qui ne devaient pas recruter. Tant mieux qu'on sorte les textes qui le disent, oui ou non, on doit recruter dans cette manière-là. Parce que ce qu'on oublie très souvent dans ce pays-là, il y a eu tellement de facilités qui ont été offertes à beaucoup de personnes qu'il faut les arrêter maintenant. Vous avez soulevé un certain nombre de points, mais il y a tellement de problèmes dans ce pays. Voilà pourquoi on parle de bonne gouvernance à partir de maintenant. Parce que si on doit s'asseoir aujourd'hui parler du CNT avec tous ces problèmes-là, vous discutez avec des gens dans l'administration, par exemple du CNT, ils vous disent que rarement dans l'histoire du Burkina Faso, on a vu des députés aussi rapaces que ces députés du CNT. Mais vous leur demandez à la suite, qu'est-ce que vous avez concrètement à leur reprocher? Ils sont là, ah, moi je ne veux pas parler, mais on ne s'en sort pas. Si vous avez des choses à leur reprocher, faites-le dans la transparence et le peuple sera situé aussi naturellement. D'accord, on est pris par le temps, on va évoluer. On a un autre sujet à débattre sur ce plateau, ce n'est pas habituel. On va parler de sport avec la nomination de Paolo Duarte donc, au poste de sélectionneur des étalons. Alors, c'était le 29 décembre dernier. Il a signé donc son contrat avec la Fédération burkinabé de football. Alors, c'est une... Il est rebelote, si on peut le dire comme ça. Et c'est un sujet qui a fait beaucoup de bruit dans la presse. Beaucoup pensent qu'il ne devrait pas revenir au vu donc des résultats qu'il a fait en 2010 et en 2012. Sayon, est-ce que... dans le sport et particulièrement dans le football, là, on peut faire des analyses journalistiques vraiment avisées. Moi, je ne crois pas, parce que moi, je crois que c'est un milieu de passion où les gens prennent l'argent comme ils veulent, où ils veulent, ils font n'importe quoi. Et la FIFA est là. On dit que la FIFA à Genève, là, c'est une institution hors la loi qui fait ce qu'elle veut, c'est-à-dire c'est une tour d'ivoire où on peut brasser l'argent comme on veut sans problème. Moi, je crois que c'est la même chose. C'est un milieu où, je crois, hein, les gens ont accepté ça comme ça, conventionnellement, on peut tout se permettre là-bas. Sinon, si on doit ramener ça à des débats objectifs, bon, quelqu'un que vous avez chassé pour insuffisance de résultats, bon, il revient... quelques 3 années après, et on dit que c'est parce qu'on est pressé, on veut gagner des matchs tout de suite, il connaît déjà l'équipe. Bon, est-ce que c'est pas quelqu'un qui gagne quelque chose avec Paolo Duarte? Ok. Non, oui. C'est une très bonne question qu'il pose, moi je pense. C'est vrai que moi je suis pas trop dans les questions de football. Sport, c'est pourquoi j'ai dit c'est inhabituel, c'est pas trop mon domaine. Plateau, mais ça concerne. Mais là où je suis pas trop d'accord avec, les choses, Rabo, c'est que c'est vrai, hein, c'est vrai, ce qu'il dit au départ c'est juste. Les gens pensent que quand on est dans le domaine du sport, du football, c'est un domaine comme c'est de l'amusement, le sport. C'est comme ça, on voit ça, hein, le football, ça, c'est un jeu, on joue. Si bien que même dans la gestion, même au niveau financier, administratif, on doit jouer là-bas aussi. Or, ça ne devrait pas être comme ça. Moi, je pense, hein, ça ne devrait pas être comme ça, parce que quand même, après, tout c'est de l'argent public qu'on met dans ces choses-là. Moi, quand je prends, je sais qu'une fois, au reporting, nous avons fait une investigation sur la venue de ce monsieur en 2010. Non, sa première venue, c'était en 2008. 2008, voilà.
Quand il est arrivé, quand on a sorti les chiffres, il était logé à l'hôtel pendant des mois, non? Oui, l'État payait combien de millions pour son hébergement, plus son salaire, c'était combien? Mais c'était des sommes vraiment colossales. Mais on ne peut pas mettre tout cet argent dans ces choses comme ça, et puis on joue avec, on n'a pas, on ne doit pas rendre compte. Si bien que moi, quand j'ai appris le retour de ce monsieur, surtout à toutes ces phrases qu'il a eues en son temps avant de partir, il revient, le président de la fédération qui s'assoit pour dire non, qu'il fallait, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on lui fasse appel. Oui. Je ne sais pas vraiment où on va. Hein. Vraiment, je crois qu'il faut quand même un peu de sérieux. C'est vraiment, on est dans un jeu, c'est le football, mais quand même, il faut quand même un peu de sérieux dedans quand même. Sinon, on ne s'en sortira pas. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, le football aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas trop mon domaine, mais je pense quand même aujourd'hui, quand on regarde les grands pays de football, ce n'est plus, c'est devenu pratiquement une science exacte dans le football. Pour pouvoir faire des résultats, mais on ne se lève pas comme ça avant d'aller puis aller faire des résultats. C'est une organisation qui met en place. C'est, oui. Faut pas oublier. Donc, ici, il y a commission, WAC. Oui, Ismaël. Et plus sérieux, il faut le dire. Moi, je ne vois pas l'intérêt de le faire revenir. Franchement, je pense que c'est l'une de mes grandes déceptions parce que le Burkina Faso a des gens qui ont été formés pendant longtemps pour être des entraîneurs du football. Et puis, les gens oublient vite. On dit Paolo Duarte. Ce n'est pas Paolo Duarte qui jouait quand le Burkina arrivait à la finale de la CAN. Ce sont des joueurs. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. C'est qu'on a, au niveau des jeunes, au niveau par exemple des jeunes, je prends l'exemple, Planète Champion a fait des... Ce sont des joueurs de Planète Champion qui ont donné ces résultats au football national. Que devient aujourd'hui la phase des jeunes, les seniors, ainsi de suite. Il y a un problème de formation à la base au Burkina Faso. Il faut qu'on travaille à avoir un championnat fort. Aujourd'hui, vous passez tout le temps à faire venir des joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers, qui ne sont même pas titulaires. Moi, la dernière fois, j'ai vu un joueur qui a dit que lui ne joue pas dans son club. Il vient à l'équipe nationale dans l'espoir de jouer pour avoir de la place dans son club. Moi, je n'ai jamais vu ça, c'est pas au Burkina Faso. On joue dans son club avant d'être appelé en équipe nationale. On a un championnat avec un niveau faible. Vous prenez que Paolo Duarte va venir s'asseoir. Et puis, il y a un autre problème. J'espère qu'avec le nouveau pouvoir là, il y aura plus de transparence. On paye un entraîneur. On ne sait jamais combien il touche. Il y a un problème. On vous dit non, ouais, que c'est un secret. C'est ça. Pourquoi c'est un secret? Paolo Duarte, là, en quoi est-ce qu'il est plus important que nos autorités qui dirigent le Burkina Faso, là, et on donne leur salaire? Mais quand c'est Paolo Duarte, vous montez au ciel, vous descendez, on refuse de vous donner le salaire du monsieur. Pourquoi? Moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc, il y a un sérieux problème avec cette manière de faire, là, le football burkinabé n'ira pas de l'avant. C'est très sérieux. Non, mais c'est un sérieux problème. C'est devenu tout simplement une mafia. C'est l'opacité, tout à fait. C'est une mafia. C'est un gros deal. Au ministère des Sports pour demander l'information, non, toutes les portes sont fermées. Hein. Je sais qu'en 2010, on a fait. Mais quand tu vas pour demander l'information dans une institution liée au ministère des Sports, non, tu n'as pas d'interlocuteur, il ne faut pas jouer. Le journaliste n'est pas le bienvenu là-bas. Mmh. Je me rappelle très bien, en son temps, notre investigation, on a tout fait, on ne communique pas. Il y a des domaines où on dit non, c'est top secret. Et quand tu prends les ministres qui se succèdent au ministère des Sports, chacun vient, c'est comme si c'est un lieu où on vient pour faire une fortune. Chacun vient, il fait sa fortune et puis il s'en va. C'est un milieu d'affaires maintenant. Il faut finalement un audit là-bas aussi. Oui, je pense que ce n'est pas la faute de Duarte. C'est la faute de nous, les Burkinabés. On est hypocrite, on est faux et on est content quand on nous dit qu'on est modeste. L'expertise nationale va où? Le monsieur qu'on appelle SAP là, ces gens-là, ils connaissent bien techniquement le football. Est-ce qu'aujourd'hui, ces millions qu'on met dans cette équipe nationale-là, regardez dans les régions, il y a quoi? Chez moi, à Gawa, il n'y a même pas un terrain. Vous arrivez sur les... Non, c'est pas ça. Même chez vous, à Banfora, il n'y en a pas. À Waiguya, il n'y en a pas. À Tenkorogo, il n'y en a pas. On tourne en vous. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Quand, par exemple, on a dit que le paiement de l'entraîneur est resté secret, mais ce n'est pas de la faute de surcroît, un militaire, un homme de droit, qui gère même la justice militaire, qui va dire ça. Le procureur du Faso a dit quoi? Rien. Nous, les journalistes sportifs, quand les gens parlent, ils disent c'est décevant. Parce que personne ne veut soulever le problème pour ne plus avoir de voyage. Et quand l'équipe du Burkina voyage, on met les journalistes et les joueurs ensemble. Non. Il va falloir que l'État finance les journalistes qui sont aptes à faire des papiers critiques, à critiquer le football objectivement. Mais si c'est la FED qui doit vous faire partir, Sagnon parle mal de la FED, il ne peut plus voyager, il est là assis et les autres journalistes ne vont pas vous défendre. Entre nous, presse, on se connaît là. Quand tu as ton problème, c'est ton problème. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la fédération, tout le monde sait que c'est un champ d'argent, les gens broutent. Et quand le colonel Sita Sangaré a dit que les salaires de... Ce n'est pas Paolo Duarte seulement, les autres entraîneurs qui étaient venus,
Mais personne n'a rien dit. On dirait même pas qu'on a un procureur qui devait interpeller le président de la fédération pour dire, mais comment? C'est l'argent du contribuable. Quelle loi dit que le salaire de l'entraîneur doit rester secret? C'est le contrat. C'est le contrat qu'ils ont signé avec l'entraîneur qui dit ça. Oui. Donc, c'est dans le contrat qu'il faut mettre, qu'on peut publier. Non, c'est pas dans le contrat. C'est l'argent du contribuable. Sa gestion doit être claire. Parce que même le président de la République, les députés, les ministres et même certaines institutions, on doit connaître leur salaire. Et même les Morino, là, on connaît leur... Mais pourquoi chez nous, on dit que c'est le contrat? Le contrat n'est pas plus comment on appelle? C'est pas un droit international dont notre droit est comment on appelle, est subordonné. Notre droit, notre loi est supérieure à ce contrat qu'ils sont en train de signer. Donc, il n'est pas question que juridiquement, on dit que c'est le contrat qui le dit. Et mieux, quand on prend les entraîneurs locaux, on ne les respecte pas. Il va falloir qu'on transforme, on travaille notre mental pour accepter l'expertise nationale. Et il va falloir que l'argent du contribuable qu'on y met, aussi les partenaires du football, ça soit clair pour qu'on puisse répartir, afin que dans les régions, dans les provinces, on puisse travailler à former les jeunes. Et mieux, il y a certains clubs aujourd'hui qui n'ont même pas l'eau pour arroser les gars. On ne paye pas le temps. Voilà, c'est mieux pour le Rabot. Je crois que c'est parce que, c'est gênant de publier leur salaire là. Je me souviens gênant que... pour qui? Non, gênant pour ceux qui signent le contrat avec l'entraîneur. Mon oncle qui est assis au village a besoin de comprendre, parce que quand les étalons jouent, il prend le drapeau du Burkina, il est content. Oui, donc oui, c'est oui. Gênant pour moi, je crois que c'est gênant pour l'équipe fédérale. Je me souviens qu'en 98, quand l'entraîneur était là, Philippe Troussier était là, il touchait 12 millions, si je ne m'abuse. Et puis, quand il est parti, on a pris Sidiki Diarra, il touchait 1 million et demi. Hein, et son adjoint 1 million. Et l'équipe fédérale disait que c'était un salaire colossal. On sait que Paul Puit, je crois, quand on a parlé de ce salaire, on a dit qu'il avait autour de 13-15 millions et qu'au retour de la CAN, il a réclamé trois fois plus. Et ils ont négocié pour payer deux fois et demi plus, donc autour de 30 millions. Donc je me dis que Paolo Duarte, il ne va pas venir prendre moins de 30 millions. Moi. Et ça gêne qui? Vous dites que non, c'est gênant. Non, mais ceux qui signent ça avec eux, est-ce que vous pensez que c'est intelligent? Je dis bien intelligent pour le Burkina et le peuple burkinabé, que vous prenez un national, vous lui payez 1 500 000 et vous prenez des expatriés, vous leur donnez 15 millions. Ce qui veut dire. Mais voilà où est l'intelligence, où la sagesse? On est il faut que ça change. Si vous ne pouvez pas vous payer vous-même mot, bien. Un dernier mot sur le sujet pour clore le débat. Tout le vœu que j'ai par rapport à cette affaire d'entraîneur, c'est qu'au Burkina Faso, on soit plus transparent. C'est tout simplement ce qu'on demande. Parce que moi, je pense que Paolo Duarte, il ne joue pas sur le terrain pour défendre le 11 national. Ce sont les Burkinabés qui jouent pour le football burkinabé. Ça, c'est très important. Payer un entraîneur expatrié à 10-15 millions et il part tout son temps à voyager. C'est des rassemblements qu'il fait avec nos mêmes joueurs. Et après, on lui donne tout cet argent. Et puis, le pays lui-même est assis. Il y a des problèmes réels dans ce pays. Et on laisse un Stéphane Kessy. On est pris par le temps, on ne pourra pas terminer, aller jusqu'au bout donc, de ce débat. Il est donc midi 5 minutes, c'est la fin donc de ce débat de presse de ce dimanche 10 janvier 2016. Merci à vous qui nous avez suivis, on espère vous retrouver dimanche prochain. J'étais sur ce plateau avec Soumaïla Rabot de Savane FM, Ladji Bama du journal Le Reporter, Ismaël Ouedraogo de Ouaga FM et Dacier de Bendouté de Radio Jeunesse. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.